Yo tout le monde, c'est Nautix, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Fortnite, ça va être un nouveau glitch d'XP encore une fois, parce qu'en ce moment il faut vraiment XP très rapidement, et en plus ces glitchs intéressent pas mal de monde. Donc avant tout dans la boutique, n'oublie pas le code NTZ, vraiment très important. Et c'est parti du coup pour le glitch qui marche dans tous les modes, donc solo, duo, section, fort en poigne, arène, comme vous voulez. Vous lancez dans ce que vous voulez. Moi je vais lancer en solo, classique, basique. Donc pour ce glitch, il va falloir atterrir ici. Donc c'est un endroit qui est bugué depuis la nouvelle mise à jour. Donc il va falloir atterrir ici précisément. Il faut être vraiment très précis. Parce que sinon le glitch ne pourra pas fonctionner. Donc on va directement y aller. Donc des fois il y a un vaisseau qui spawn, des fois il n'y a pas de vaisseau. Dans tous les cas le glitch marche quand même, il n'y a pas besoin qu'il y ait un vaisseau. Donc on va spawn ici, là où j'ai mis le point. Donc on se pose tranquillement. Et ensuite ce qu'il va falloir faire, c'est faire un peu des tours, des ronds. Jusqu'à que le glitch fonctionne. Donc là on est posé, et là on va devoir bouger, faire des ronds, etc. Jusqu'à qu'on reçoive de l'XP. Donc on fait des ronds, on tourne, etc. Et au bout d'un moment on va recevoir 1000 XP pour l'unotable découvert. Et ensuite ce qu'il reste à faire, c'est directement quitter la game. Et ensuite directement, instantanément, relancer une nouvelle game et refaire ça à l'infini. Ça prend 3 secondes, il faut juste faire un petit tour. Et au bout d'un moment on trouve l'endroit où c'est bugué. Ouais, ça prend 3 secondes, il faut juste faire un petit tour et au bout d'un moment on reçoit l'XP. Donc cet endroit avait déjà été bugué à l'époque, mais à l'époque il fallait juste poser et ça marchait. Là c'est pas pareil, c'est pas le même endroit et en plus on fait un petit tour. Donc c'est pas du tout pareil. Mais en tout cas voilà, ça fait 1000 XP par game. Donc si on fait 10 games, ça fait 10 000 XP. C'est pas incroyable non plus, mais c'est pas mal. Et surtout il y a aucun risque de ban. C'est ça le plus intéressant avec ce glitch, c'est qu'il y a vraiment zéro risque. Donc voilà, deuxième game, on revient exactement au même endroit. Et on va refaire encore une fois un rond. Jusqu'à recevoir l'XP. C'est pareil, faut juste refaire ça à l'infini en lançant une game. Vous n'avez pas besoin de finir la game, vous pouvez la quitter directement dès que vous avez l'XP. Ça qui est pratique. Dès qu'on reçoit l'XP, on quitte et on relance. Et du coup, ça fait gagner du temps. Donc là, vous pouvez voir le vaisseau à spawn. Alors, le problème quand le vaisseau spawn, c'est qu'il y a des robots Stark qui peuvent nous tuer. Donc, il faut vraiment faire le glitch très vite pour pas se faire tuer. Parce qu'ils sont juste à côté. Et ils sont beaucoup. Donc, ils peuvent tirer très vite, etc. Donc, on va essayer de pas mourir. Voilà, l'XP a été reçu, maintenant on peut mourir. Et voilà, comme vous pouvez le voir, c'est infini. On peut recevoir 1000 XP à l'infini. Et du coup, grâce à l'XP super chargé, ça fait encore plus. Donc voilà, c'est pas un glitch incroyable, mais c'est quand même un petit glitch d'XP tranquillement. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera un peu à monter votre niveau sur cette saison, parce que c'est vrai que les niveaux sont assez durs à monter. On va quitter la game directement. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, et aussi mettre le code créateur, bien sûr, NTZ dans la boutique. Mon petit objet, soutien le créateur, NTZ. En tout cas, on se retrouve dans une vidéo. Ciao tout le monde!